On part d'une page blanche, donc c'est à la fois très stimulant pour l'ensemble des concurrents. On verra qui sera le premier à inscrire son nom sur le palmarès de ce rallye Terre d'Aléria. C'est vraiment une très très belle réussite. 32 R2, c'est vraiment quelque chose d'inédit. C'est un tournant dans l'histoire de ce championnat France Terre. Et ça, ça nous offre vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir. Corde, fini frein, plonge fort, saute sur cuvette frein, 40 mètres, épingle gauche 10, relance importante, 200 mètres frein. Ça va être de ne pas faire d'erreur, vraiment d'être à l'arrivée, d'être humble, je pense. Bon, on va viser la victoire, forcément, on a le rythme qui joue devant. Et une belle vue, mais elles sont très difficiles surtout, ça va être un rallye, à mon avis, épique. 50 cordes, 10 mètres, droite 92 cordes, pour gauche de sortie. Je trouve encore un parcours qui a l'air assez atypique, en tout cas pour ma part. Donc ça va être un challenge, mais on va prendre du plaisir et ça va bien se passer. Long ciel, sur léger droit, 10 et 51 mètres. Droite. Droite. 20 mètres. Glisse. Ouvre, 30 mètres, exter au pied, et droite 140 à pour court, droite si léger corde, frein pour gauche 150, moins très court, planche pec, dans droite 120, court pec, tuyau, et 50 mètres, gros piège, frein très tôt avant léger ciel, 10 mètres, gauche 86, 50 pec. Voilà, on est en tête, on va tout faire pour rapporter notre première victoire ici à Aléria, et avec la dernière spéciale qui arrive devant l'assistance, ça serait magique. plus, et il ouvre léger et tenir, et gauche 110 moins très court, pas corde. Ce matin dans la première spéciale, on a touché un poteau à 20 km/h avec un peu d'angle sur la roue, ce qui nous a cassé la billette de direction. Donc bon, c'est une erreur de ma part, et voilà, il faudra attaquer à l'angle du coup pour viser la victoire et remonter au championnat. 30 mètres, gauche 110 plus court.